La història de Sombreros és que no hi ha història, però tampoc li fa cap falta. Les formes que creen les llums i les ombres són prou evocadores per Philippe de Coufflers per mostrar-nos una sèrie de retaules plens de poesia i humor. Alors, il n'y a pas d'histoire. Hein. L'avantage de la danse, c'est qu'on peut faire des choses qui ne sont pas narratives. Donc, il n'y a absolument pas d'histoire. Il se trouve que j'aime la lumière et donc les ombres depuis que je suis tout petit, mais ce n'est pas très original. Je suis toujours fasciné par les débuts et les fins des journées, quand les ombres sont très grandes et tirées comme ça, et qu'une chose belle peut devenir très mystérieuse. Sombreros, a més del seu significat en espanyol, juga amb les paraules ombra i heroi en francès, que vol dir herois ombrívols. De Coufflers barreja la dansa contemporània amb el mim, la màgia, les projeccions visuals, la geometria i la música per seduir els espectadors. Sombrero, c'est un spectacle sur les ombres. Donc c'est très visuel, c'est très graphique, c'est très géométrique. Ça peut se regarder un peu comme une peinture abstraite. De Coufflers ens transporta a un món de fantasia farcit de projeccions visuals de gran bellesa, on tot és possible. Les referències al cinema són constants, ja sigui a l'expressionisme alemany o a l'espagueti western. Je déteste m'ennuyer et au spectacle et en répétition. J'étais petit, je voulais être clown. Et ça reste pour moi un métier merveilleux. Les clowns, c'est presque... je trouve ça assez essentiel en tant que saltimbanque. Mon rôle, c'est quand même de faire rêver les gens et de les faire et de leur faire passer un bon moment. De Coufflers fa tot el possible perquè la gent no s'avorreixi i perquè al final s'acabi traient el barret.